Tu te lèves le matin, tu sors. Tu sais pas ce que tu peux croiser sur ton chemin. Tu te lèves le matin, tu descends les escaliers, tu te vas prendre le métro ou bien le bus, là-bas en France. Jah, c'est pour aller tomber sur Jet Li. Ah bon, c'est pour aller tomber sur King Kong. Ah oui. Hey. Je l'ai vécu. La soirée, je suis rentré à Abidjan. J'attendais de rentrer à Abidjan pour vous expliquer. Parce que vous me connaissez, je suis un lâche, je n'ai pas de force. La personne m'a agressé à Paris. Et puis, je vais faire vidéo encore sur la personne à Paris. Ah, je ne peux pas. Je vais prendre l'avion, arriver à Yopougon, placer ma caméra, et puis parler, l'insulter. Parce que le temps, il va prendre l'avion là. Je peux être informé. Et puis, je vais aller me cacher dans le commissariat. C'est ça. Je vais vous expliquer. Eh, l'amitié. Amitié peut faire Halloween comme ça. Pour se déguiser. L'amitié peut faire Halloween comme ça pour se transformer. Tu as mis avec quelqu'un. L'amitié là, ça va faire Halloween. L'amitié là devient quelque chose d'autre. Oh! La vie qui est la vie qui était la vie qui va être la vie. On ne sait pas. Je vais tout vous dire. Je vais vous relater. Je vais vous raconter. Je vais déposer ça comme ça. Je vais déposer ça comme ça dans l'assiette plate pour vous donner. On m'a attaqué, la chérie. Je me suis fait attaquer comme dans Mortal Kombat. Je partais sauf que moi au sport. Je me suis fait attaquer comme dans Mortal Kombat. En République, place de République à Paris, à côté du Darty. Je suis où? Où est Moro qui a fait battre? Je suis pas souple. Souvent j'ai dit ici, je kiaba. Donc les gens pensent que je suis la souplesse. Je suis pas souple. C'est, ça va. Ça peut pas. C'est tout. Ça s'élève pas. Je suis pas souple. Donc je me bats comme un. Je me faufile comme un pouf. Je peux pas. Je peux pas. On pouvait dialoguer même. C'est quoi? J'ai fait vidéo sur toi là. Je t'ai tué. J'ai tué quelqu'un dans Paris là ou bien. Je suis rentré à Abidjan. Tu veux nous faire la télé? J'ai mes rues. Coucou les chéris, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Vous m'avez manqué. J'ai tellement de choses à vous dire. Mais il fallait que je rentre à Abidjan d'abord. Là, je suis rentré. Je commence le travail la semaine prochaine. Les chéris, avant de commencer cette vidéo-là, je viens vous parler de ça. C'est ça qui m'a donné ma barbe. J'attendais que ça pousse bien. Pour vous parler de ça. C'est la youtubeuse Orlia qui commercialise. C'est pour barbe et cheveux. Ça, c'est le spray. Ça, c'est le spray. Vous appliquez ici. Si vous voulez que votre barbe pousse ici, vous appliquez. Et vous passez. Vous passez. Vous mélangez le spray avec l'huile. Aujourd'hui, je vous donne le secret de ma barbe. Les filles, si vous voulez que vos gars aient des barbes, si vous ne voulez plus que vos gars aient des visages débarbés, après le spray, dites-leur d'utiliser l'huile. On met l'huile comme ça, vous passez dessus comme ça. En plus du spray, c'est le spray et l'huile. Et vous appliquez pendant 5 minutes, matin et soir. Si vous n'avez pas de cheveux, si vos cheveux sont partis faire les courses pour laisser vos têtes, si vos cheveux ont pris caddie pour aller faire course chez Auchan et puis vos têtes sont laissées comme ça, vous faites même chose. Prenez le spray, vous appliquez la partie où les cheveux sont partis là. La partie où les cheveux se sont levés pour aller faire les courses chez Kiabi là. Voilà. Avec l'huile, même chose. Pendant 5 minutes, matin et soir. Résultat visible en 14 jours.
C'est Olia qui fait ça. Où est ma babou? Mon code promo, Aubin 15. Évidemment que j'ai un code promo. Vous avez déjà vu publicité d'influenceurs sans code promo? Aubin 15. Vous allez sur le site, vous choisissez le spray et l'huile. Vous mettez code promo, code de parrainage Aubin 15. Ça vous donne réduction. Et vous achetez. Résultat visible en 14 jours. Vous appliquez matin et soir. Matin et soir. Petit déjeuner, dîner. Matin, soir. Vous allez dire, je vous ai dit. Vous allez dire, je vous ai dit. En tout cas, regardez-vous-même. Regardez-vous-même. Là, je n'ai pas fait mes contours. Hein. Je n'ai pas encore taillé. Mais regardez. La barbe est sur moi. Hein. La barbe est sur moi. Ah bon? Donc, c'est ça. Les gens, on va commencer la vidéo. Vous vous rappelez de cette story time là, non? Bonheur. J'étais ami avec quelqu'un que j'ai appelé Bonheur dans la vidéo. Pour ceux qui n'ont pas vu la story, je résume. Il m'avait donné une chaîne en 2020, en été 2021. Oui, été 2021. Il m'avait donné une chaîne en été 2021. En 2023, il dit qu'il veut sa chaîne. J'avais perdu la chaîne. Il m'a dit je dois payer 800 euros. Finalement, j'ai payé 300 euros et j'ai expliqué dans ma vidéo. Dans la vidéo, je ne l'ai pas insulté. J'ai même dit dans un passage que, en tout cas, à défaut de ça, c'est un gentil. J'ai dit ça dans la vidéo. Je ne l'ai pas insulté. Voilà. Après, je vous ai même dit les chouris, qu'est-ce que vous en pensez? Maintenant, si vous, les chouris, vous avez pris son nom. Et quel nom? Un nom fictif. C'est pas son vrai nom. Je n'ai pas mis son visage. Je n'ai pas mis son nom de famille. Je n'ai pas mis son... Je n'ai rien mis. Vous avez donné vos avis. Je pense que quand il a lu les commentaires de la vidéo là, c'est comme s'il venait d'avoir tétanos. Il n'a pas supporté. C'est comme s'il venait d'avoir tétanos. Donc, c'était ici là. C'était dans son cœur. Je vous explique. Il y a peut-être 3 semaines. 3 semaines ou 1 mois, je ne sais plus. En tout cas, c'est assez récent. J'étais à Paris. Ce jour-là, j'étais sorti la veille. J'ai dit non, je m'en vais à la salle de sport. Demain, j'ai dit à mes 2 potes, je m'en vais à la salle de sport demain. Ils disent que Raï, en train de boire, toi demain tu vas passer. Je dis, je suis motivé. Je ne sais pas pourquoi je voulais forcément aller à la salle. Si je savais, je dormais. C'est parce que si je savais, n'a pas étiquette. C'est ça. Sinon, nous tous, on allait acheter. C'est parce que si je savais, n'a pas étiquette. Si je savais, là, quand tu rentres au supermarché, il n'y a pas son rayon. Sinon, nous tous, on allait acheter si je savais. Et puis, ça allait m'éviter ça là. Si je savais, n'est pas dans pharmacie. Oh. On ne vend pas ça dans pharmacie. Si je savais là, on ne vend pas. J'ai attendu ma femme de ménage. Quand elle est venue, je me suis habillée. J'ai porté mon sac de sport. Tu as dit que je m'en vais soulever pour 100 kilos. En temps, je partais faire tapis seulement, hein, que du cardio. Ou un bras qui a soulevé pour là. Il n'y avait pas. Donc je descends. Ce jour-là même, je croise une abonnée de mon quartier. Elle me demande des vidéos, on fait vidéo, tout ça. Vraiment, ma journée avait bien commencé. J'écoutais du Aznavour. Dans mon casque, je mettais du Aznavour. Emmenez-moi au bout de la terre. Emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au sourire. J'écoutais ça. Quand ça, ça finissait là, je mettais Dalida. Moi, je veux mourir sur scène devant le projecteur. Oui, je veux mourir sur scène, le cœur ouvert tout en couleur. Mourir sans la moindre peine,
d'une mort bien orchestrée. Moi je veux mourir sur scène en chantant jusqu'au bout. J'écoutais la variété française dans mon casque Marshall. Ah oui, oui, oui. Et je marchais, j'étais comme ça. Je sors du métro. Pour ceux qui connaissent République, place de République, ma salle c'est Fitness Park. Donc, pour aller à Fitness Park là, tu dois passer devant Darty. Donc je passe devant Darty. Je vois Bonheur. J'avais mon casque et mon sac de sport. Donc quand nos yeux se voient, quand ses yeux rentrent dans mes yeux et que mes yeux rentrent dans ses yeux, moi j'enlève mes yeux sur lui. Parce que je n'ai pas à faire à lui. Moi je voudrais faire le sport, perdre des kilos. Je veux que mon ventre redevienne la placard. Je veux que mes joues descendent parce que mes joues étaient devenues comme parasol. Donc je voulais que ça descende un peu. Donc quand je le vois, moi je ne regarde pas. Est-ce qu'il est coach sportif? Il n'est pas coach sportif. Donc de lui dire quoi? Moi je m'en vais à la salle. Je le vois, je passe. Il vient devant moi. Il commence à me... Ah oui! Ah oui! Parle maintenant! On fait quoi maintenant? On se tape! Dans mon cœur, je dis. J'ai dit, il fait quoi lui là? Donc j'enlève mon casque. Et puis je lui dis, toi tu joues à quoi? Que oui, tu faisais la bouche sur YouTube. T'as parlé de moi sur YouTube. Maintenant je suis là. Dis tout ce que tu as dit. J'ai dit doucement. Parce que je ne le moyen pas. Ah bon, d'accord. Donc, j'ai dit doucement. Donc j'enlève mon casque, je mets ici. Comme un Parisien qui se respecte. Comme un Parisien qui ne veut pas se donner au spectacle. Parce qu'on a la place de la République. On n'est pas aux Folies Bergères. Ah oui, oui, c'est place de République. On n'est pas aux Folies Bergères. Aïe. Donc je mets mon casque. Je dis, oh, tu vas te calmer. Tu veux quoi en fait? Là, je ne comprends pas. Là. Arrête, tu as parlé de moi. D'où tu parles de moi? Pourquoi tu as parlé de moi? Je dis, mais j'ai parlé de toi. Est-ce que j'ai dit ton nom? C'est de toi que j'ai parlé. Je veux. Je sais, tu sais, on sait que c'est de toi que j'ai parlé. Mais je n'ai pas dit ton nom. Je t'ai pas insulté. Je n'ai pas mis ton adresse. Je n'ai pas mis ta photo. Donc c'est quoi? Que non, mais pourquoi tu parles de moi? Pourquoi tu parles de moi? Il enlève mon casque sur mon cou. Je dis que ça là, j'ai payé ça cher. J'ai payé ça 370 euros. Je dis pardon, donne mon casque. Mon sang commençait à monter pour descendre. Mon sang commençait à faire des vagues. Hein? Ah oui, mon sang commençait à faire des vagues. Je dis donne mon casque, pardon. Que non. Je te donne ton casque quand on va s'expliquer. Et puis, moi je m'explique avec le poing. Moi je n'ai pas parlé, moi. Hein? C'est lui qui parlait. Moi je m'explique avec le poing. Dans mon cœur. J'ai dit, moi je m'explique avec mes dents. Et ma langue. Et mes lèvres. Aïe. De m'expliquer avec le poing commun. Est-ce que moi je sais faire langage des signes? On s'explique comment est le poing. Moi je ne veux pas me battre. Je ne veux pas me battre. Parce que si on dit paix, j'ai perdu. Avant même qu'on ne commence. Tu vas me faire par-dessus la troisième corde. Comme Rey Mysterio. Tu vas me faire par-dessus la troisième corde. Comme Rey Mysterio. Je veux pas. Je peux pas. Aïe. Donc, il prend mon casque, non. Et puis, il est en train de parler. Donc, là, maintenant, j'étais énervé. Je dis, hey, je suis pas ton enfant. Je fais des vidéos sur qui je veux. Là, il fait, mais attends, tu vas me pousser à bout, Kevin. Tu vas me pousser à bout. Je pense qu'il voulait que je dise, excuse-moi, je te demande pardon. Je vais plus refaire. Aïe. Je n'ai pas de force. Mais j'ai une dignité. J'ai fait vidéo sur toi.
Si je commence à dire pardon, pardon, oh, oh, viens, faut verser l'eau bénite sur moi pour me pardonner, s'il te plaît, mon père. Aïe. Si je commence à faire comme si on est au couvent, pour dire que, oh, j'ai péché, mon père, j'ai péché, délivre-moi du mal, j'ai fait vidéo sur toi, pardon. C'est que je vais appeler combien de personnes pour demander pardon. Parce que depuis que je fais YouTube, là, c'est la vidéo sur les gens que j'ai fait. Quand toi et moi-même, on était amis, tu regardais mes vidéos, je faisais vidéo sur les gens, tu riais. Aujourd'hui, c'est tombé sur toi. Tu veux mettre perfusion. Aujourd'hui, c'est tombé sur toi. Tu veux mettre plâtre. Tellement tes membres ne tiennent pas en place. Tu veux qu'on te plâtre. Pourquoi? Ah, pour les autres, là, tu riais, non? C'était doux. Quand je fais vidéo sur les autres, tu riais. Jusqu'en souvent même, tu m'envoies un autre vocal pour dire « Ah, j'ai trop rigolé. Quand tu as parlé de tel... Ah, c'est doux. » C'est ça. Façon, tu as rigolé là. Rigolé na rigola. Je parle pas de toi que toi, Nayou. Nayou, papi. Nayou. Hein? Si je devais te demander pardon, j'allais appeler combien de personnes? Allô, tu te rappelles en 2019, j'ai fait une vidéo sur toi. Non? Pardon. Pardon. Faut m'excuser. Oh, délivrez-moi. Aïe. Hein? Pourquoi? Je peux pas. ATC. Fiche. Attends, donc il a vu que je disais, je fais vidéo si que je veux. Oui, tu n'as rien à me donner comme ordre. Je t'ai pas insulté de la vidéo. Et donc là, Méné me dit, mais est-ce qu'entre amis on se fait ça? Est-ce qu'entre amis on se fait ça? Je dis, quel ami? Tu es venu me demander chez lui sur un roche, je me dis, est-ce qu'entre amis on se fait ça? Donc là, il a toujours mon casque. Il dit, là c'est simple. Tu vas raconter tout ce que tu as dit sur la vidéo. Tu vas dire ça devant moi. Et on va régler ça de homme à homme. Je peux pas. Je lui ai dit, si tu veux, je te renvoie le lien. Tout ce qu'elle a dit dans la vidéo là. Aïe, la vidéo dure 50 minutes. Donc là, elle a dû m'arrêter. Pour répéter tout ce que j'ai dit dans la vidéo. Pour dire que, coucou les chouaries. Alors, donc, de, aïe. De faire coucou les chouaries. Là, là, à République, là, là. Où toi et moi on est devant Dati, tu me dis de répéter tout ce que j'ai dit dans la vidéo. De faire, les chouris avant de commencer, je vais parler de tap tap scène. Devant Dati là, tap tap scène, papi. Je peux pas tout répéter. La vidéo encore là-bas. La vidéo est là. Là, il prend son téléphone. Il appelle. Je sais pas, il appelle qui. Moi, je voulais mon casque en fait. Il appelle sa soeur. Il appelle sa soeur. Donc, il dit à sa soeur, tu vois ce mytho, il dit qu'il parlait pas de moi. Il dit, parlait pas de moi dans sa vidéo. Donc, je lui dis, mais tu mens. Comme sa soeur aime bien commenter les vidéos là, mamie, il faut commenter, il faut dire la vérité. Hein. Je lui dis, mais tu mens. Pourquoi tu appelles ta soeur pour dire que moi, je t'ai dit, je parlais pas de toi? Je lui dis, tu mens. Tu es un menteur. Je lui dis, je parlais de toi, sauf que je n'ai pas dit ton nom. Ça, c'est différent. Sinon, je t'ai dit que c'est de toi, j'ai parlé. Pourquoi il te voit, il te dit qu'il parlait pas de toi? Pourtant, toi et moi, ça n'est pas de toi. Donc, j'ai dit, tu es un menteur là. Il n'a pas supporté. Il me dit, ah ouais? Moi, tu me traites de menteur, moi? Tu me traites de menteur? Je ne sais pas s'il voulait prouver à sa soeur que s'il me voyait, j'allais me taire. Parce qu'il a fait son appel là, à sa soeur là, je parlais. Je ne me disais pas, je criais même. Jusqu'à quand je lui disais, mais pourquoi tu appelles ta soeur en fait? Moi aussi, je peux appeler mes parents. Hein. C'est parce que moi, mes parents sont occupés. Je peux appeler mes parents. Peut-être que ta soeur n'a rien à faire. C'est pour ça, à 11h, un mardi, 11h, tu l'appelles pour dire que tu es avec moi, que tu m'as attrapé. Tu l'appelles pourquoi? Elle ne travaille pas. Parce qu'il ne comprend pas. Il dit non, je l'appelle pour qu'elle soit témoin parce que c'est elle qui m'a envoyé la vidéo. Donc, je l'appelle. Je dis, ah, d'accord. Donc, je criais en fait, je disais, mais t'es un menteur, tu l'appelles pourquoi en fait? Tu as prouvé quoi, Nen? Donc je criais. Donc il n'a pas supporté. Je pense qu'il voulait que, quand il appelle sa soeur là, moi je sois à côté et puis je fasse coucou, pardon, demande pardon.
Excuse-moi. Coucou. Demande pardon à ton frère. J'ai peur. Je pense que il pensait que j'allais me taire. Entends-je? Je n'ai pas force. Moi-même, je sais. Me voici, j'étais à la salle de sport. Les soirées, me voici. Mon coach sportif, avant-hier à Abidjan, ma salle, il voit Training Center. Il vient de pomper. Parce que quand je suis arrivé là, je lui ai dit que ah, j'ai un ancien ami à Paris là-bas. Là. Il a voulu me frapper. Que je vais avoir la force. Parce que dans l'affaire de je vais te frapper là, les gens me menacent trop. Je suis fatigué. Les gens me menacent trop parce que tout le monde sait que je ne moyen pas. Donc, faut mettre la force dans mes bras. Faut prendre la force là. Tu vas mettre dans mes bras. Je veux la force dans mes bras. Il dit que non, pour ça, faut que j'évalue la force de tes bras. Donc, mets-toi comme ça d'abord. Je dis non. Hein. Moi, je veux avoir force là aujourd'hui. Et si demain je tombe sur quelqu'un encore qui veut me frapper? Aïe, tu veux évaluer quoi? Faut mettre, dépose la force dans mes bras. Donc il m'a dit, mais Kevin, la force là, c'est pas fait tout, hein. C'est pas fait tout, on met dans la cuisine. C'est pas gaz. Aïe, de déposer dans tes bras comment? C'est ce que mon coach m'a dit. Il dit, c'est pas fait tout. Que lui, il peut pas déposer dans mes bras. Que c'est pas fait tout. Aïe. C'est pas fait tout, tu allumes et puis ça. C'est, que c'est quoi? Que de faire ce qu'il dit là. Il m'a un peu mal parlé. Il m'a mal parlé. Mais bon, il n'a pas tort. Donc, me voici. Je dis comme ça. Tout ici là me fait mal. Ah non, c'est pas maintenant la force là va arriver. Ah non, 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 non. Je pense que la force là est du bateau. Force, je dois avoir dans mes bras là. Je pense que la force là est du bateau. Les souris, c'est pas maintenant. Moi-même, quand je regarde, c'est pas pour maintenant. Ah non, non, non. Ah non, 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 non. C'est sur bateau. Un jour, ça va arriver. Un jour, le bateau va accoster. Et puis, j'aurai force. Pour l'instant, là, la force qui que est sur bateau. Donc, je disais qu'il cause avec sa soeur et moi, je parle. Tu vois, sa soeur parle pas en fait. Elle ne dit pas calme-toi. Elle parle pas. Sa soeur là. Quand j'ai sorti cette vidéo là, elle a commenté, elle a laissé un long commentaire. C'est les gens même qui ont capturé pour m'envoyer. Mais je n'ai pas répondu. Parce que mamie, tu n'es pas dans mon affaire. Moi j'ai eu un problème avec ton frère. Donc même si tu écris ton journal intime en bas de ma vidéo, je ne vais jamais répondre. Je ne te connais pas. Je ne sais pas où tu es. Donc je ne peux pas répondre. Pour t'insulter ou bien. Parce que, bon, après, je comprends, tu défends ton frère, ça c'est normal. Tu es une bonne soeur. Ça, pour le coup, on doit te décorer. Je pense que peut-être tu dois te rendre à Matignon et dire que tu as défendu ton frère. Voilà, peut-être que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, va te donner une robe Dior en cachemire et une chaîne qui fait 10 fois la valeur de la chaîne que ton frère dit je dois rembourser là. Pour te décorer parce que pour le coup, tu es une bonne soeur. C'est ça l'esprit de famille. On défend sa famille envers et contre tout. Ça seulement, je peux. Même cette vidéo là, si tu commentes encore, je ne vais pas commenter. C'est bien. Amazon, défendons nos frères. Amazon, défendons nos frères. Amazon, défendons nos frères. Ça, ça doit être le cri de guerre de ton association. Tu dois créer une association. Amazon, défendons nos frères. Amazon, défendons nos frères. Amazon, défendons nos frères. Et là, je suis sérieux. C'est même un... c'est pas pour être ironique. Si, si, un peu. Ah oui, oui, un peu, un peu, un peu, un peu, un peu, un peu. Un peu, un peu, un peu. Parce que... oui, un peu. Mais en tout cas, félicitations. Quand il coupe avec sa soeur, il ne sait même pas s'il avait coupé avec sa soeur. Je continue de crier. Il n'a pas supporté. Je lui disais, tu es un menteur et tout.
coup, oh, il prend son pied qui est ici là. Son pied qui est ici là. Il soulève, il me tape ici. Je dis, hey, pourquoi tu me tapes? Tu me tapes pourquoi? Il prend encore son pied, il me tape encore. Je dis, hey, mon pied se soulève pas. Je suis pas souple. Il y avait les gens autour, hein, les souris. Il y avait les gens autour. Les blancs, ils étaient en train de nous regarder. Comme s'ils regardaient un match de taekwondo. Comme s'ils ont payé ticket pour venir regarder un match de taekwondo. Vous me voyez un jeune garçon frêle. Mince. Qui a un peu de gros ventre. Petit pied. Beaucoup de barbe. Grâce à Magic Oil. Ben, Olia. Magic Spray. By Olia. Entends, Magic Spray, Magic Oil. Ça donne pas la force. Ça donne cheveux plus barbe. Je peux pas prendre barbe aussi pour le taper. On fait ça comment? Je fais comment? Les blancs nous regardaient comme ça. Dans mon cœur, j'ai dit, mais venez. Venez nous attraper. Quelqu'un est en train de me taper. On a la République. Répu. Place de la République. La place qui représente la République française. Et quelqu'un est en train de me taper. Moi, un résident français. Et personne ne parle. On me regarde comme ça. Hey. Yeah. Je priais dans mon cœur, Seigneur, touche-les. Seigneur, ils n'ont qu'à venir nous soulever pour me soulever, oh. Ils n'ont qu'à venir nous départager. Ils n'ont qu'à le prendre pour le déposer quelque part. On va me déposer quelque part. Sinon, aujourd'hui, je suis fini. Mon pied ne se soulève pas. J'ai voulu même faire. C'est resté en place. Tu vois, ils ont pris scotch pour coller sur le sol. Que ça va pas. Je resoulève, ça va pas. Parce que je voulais lui dire aussi que hey, tu peux pas me taper, puis j'ai été laissé. Ah oui, oui, parce que c'est une humiliation, hein. C'est une humiliation. Dans ça là, il y a un monsieur qui est venu, un noir. Donc il a dit non les gars, arrêtez. Il s'est mis au milieu. Quand je l'ai vu, hey, j'ai failli faire tout. Quand j'ai vu le monsieur là, j'ai failli faire tout. Vous dites que, oh, tonton, c'est pas GPS qui t'a envoyé ici. C'est l'éternel des amis. C'est pas GPS. C'est pas Waze. C'est pas Google Maps qui t'a envoyé ici. C'est l'éternel des amis. J'ai failli lui dire ça. Il a commencé à dire que, mais les gars, arrêtez. Ça se fait pas, les gens vous regardent. Ça sert à rien de faire ça. J'ai dit, ça sert à rien. J'ai dit ça. J'ai dit, monsieur, ça sert à rien. Moi-même, là, depuis là, je suis en train de lui dire que il n'a qu'à donner mon casque. Je vais partir. Il dit non. Lui et moi, on n'a qu'à s'expliquer. Je sais pas c'est quoi il veut qu'on se dise. Je sais pas, il veut qu'on fasse quel forum. Là, là. Je sais pas. C'est quelle conférence qu'on doit donner au. Je connais pas monsieur. Sinon moi-même je sais. Ça, oui, s'il y a quelque chose qui sert à rien, c'est ça. Hein. C'est ce qui est en vrai, c'est, ça sert à rien. En même temps, le vigile de Darty est venu. Que oui, mais donne-lui son casque et tout. Ça se fait pas ce que tu fais. Parce qu'il avait bloqué mon casque. Il a pris mon casque, il l'a mis ici. J'ai dit, mais donne-moi. Hey! C'est un casque. Ce casque, c'est pas oxygène. C'est pas oxygène, c'est casque. Donne ma chose. On peut prendre le casque de quelqu'un comme ça pour bloquer. En partant là, il fait, voici mon casque, comment il a fait. Voici comment mon casque a été casqué. Mon casque a été casqué. Il a fait comme ça. Voici ton casque, Kevin Aubin. Il a lancé. Hey!
je voulais attraper, c'est tombé. Mon casque est gâté. Là. J'ai dit... Je vous parle de ça encore même et puis mon cœur. Ça fait comme si j'ai des fourmis. Comme si je dois prendre Timor pour pulvériser. Ça fait comme si j'ai des fourmis. Comme si j'ai des fourmis. Comme si j'ai des fourmis. €370. Il l'a cassé, il l'a gâté, il est parti. On peut être mauvais comme ça. Bonheur. Ça là même je dois plus t'appeler bonheur. J'ai oublié même. Quand on parlait là, il dit tu fais une vidéo sur moi, tu m'appelles bonheur. Je lui ai dit que hi. Je devais t'appeler malheur. Faut t'estimer heureux. J'ai fait une vidéo sur les gens, je leur ai donné le nom. Hi. J'ai fait une vidéo sur quelqu'un, je l'ai appelé Chikegbe. Ça veut dire on a tiré l'argent infini. Chikegbe. Je l'ai appelé comme ça dans la vidéo. Toi-même, tu as rigolé dans cette vidéo. Toi-même, tu as rigolé de cette vidéo. Je fais une vidéo sur toi, je t'appelle bonheur. Tu te fâches. Aïe. Il a jeté mon casque. Il est parti. Là, j'ai crié. Je lui ai dit, mais tu sais, des casques, je peux m'en acheter 100. Est-ce que mon argent va arriver? Oui, ça peut. Je peux payer 100. 300 euros fois 100, ça fait 3000 euros. Oui, je peux. J'ai dit, je peux m'en acheter 100. Là même, il va me faucher. Et puis, je vais tomber, je ne vais plus vouloir me relever là. Quand je dis ça, il se retourne me fait, ça c'est toi qui vois. Je dis que, ah! La force, c'est quelque chose. Laissez-moi vous dire qu'il avait aussi un casque au cou. Il avait son propre casque. Mais je ne pouvais pas aller prendre ce casque avec un bras. Et si je m'en vais sur son visage pour prendre son casque, lui-même son casque, il a mis ici là. Et puis je tombe dans moi. Je fais comment? Sinon je voyais son casque. Ah. La force, c'est quelque chose que je dois avoir. Parce que je n'ai pas de force. Et beaucoup de personnes me rabaissent à cause de ça. Je pense que je dois prendre la salle de sport comme ma chambre à coucher. Je dois aller à la salle. Je dois soulever le poids. Embrasser le poids. Caresser le poids. M'asseoir sur le poids. Ah non, non, non. S'asseoir, non. Ah non, 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 non. S'asseoir, non. Kevin, s'asseoir, non. Non. En tout cas, je dois avoir force. Mes bras doivent... Yeah! Ton ami garçon a son casque. Il prend ton casque, il casse. Toi, tu ne peux pas prendre pour lui. Il a fait comment pour prendre pour lui? Et s'il me gifle, Là, c'est comme si j'avais fait 2 heures sur le tapis en salle de sport. S'il me giflait, j'allais transpirer un coup. Tu as fait 2 heures sur le tapis. Oula. Donc, il est parti. C'est là, j'ai vu la fille qui filmait là. Il y a une fille, elle filmait. Je suis allé vers elle. Elle, seulement, il pouvait la frapper. C'est pas parce qu'elle est femme, mais je la voyais. Elle était plus mince que moi. Je dis, hey, toi! La bouche, je ne pouvais pas faire ce bonheur là. J'ai mis ça sur elle. Je dis, toi, tu filmais qui? Que bah non, je ne vous filmais pas. Donc le vigile de Darty dit, si, vous étiez en train de filmer et ça ne se fait pas. Donc je dis, ma chérie, supprime. Elle dit, je ne filmais pas, j'étais au téléphone, j'étais en FaceTime. Je dis, mais je suis en FaceTime, pourquoi ta caméra est sur moi? Elle dit, bah non, ma caméra n'était pas sur vous. Je dis, bon, faut rentrer dans ta galerie. Elle dit, bah non, je sais pas, une galerie, c'est privé. J'ai dit, tu veux jouer à ça? Une galerie, c'est privé. Et puis, tu me filmes comme si tu es détective privé. Galerie est privée.
Donc toi, tu es détective privé, quoi. Quand tu filmes les gens, là, c'est pour toi seul. Tu es détective privé. C'est ça, j'ai commencé à la filmer aussi. C'est ça. Il y a une vidéo même qu'on voit bien son visage. Le jour, je me vois sur Internet que Bonheur est en train de me taper dans la vidéo. Toi la fille là. Hey, hey. Ah. Tu vas penser que ma chaîne YouTube là, c'est pour nous deux. Tu vas penser que j'ai créé YouTube pour toi et pour moi. C'est ta photo même qui sera en profil. Capture d'écran où on voit ton visage là, c'est ce qui sera en profil sur ma chaîne. Sur mon Instagram, sur mon TikTok. Ah, je vais te rendre populaire, mamie. Je vais te rendre célèbre. Folie gospel va te prendre. Même folie gospel privée. Comme ta galerie est privée là. Une folie gospel privée, je te préviens. C'est parce que toi, je te moyens. Toi, je te bims. Toi, je te fais bim, boum, boum, boum. Bonheur, je peux pas soulever. Mais toi, je te frappe. Ah oui, toi, non, quand même. Aïe. Au bout d'un moment, c'est bras. Hein. Au bout d'un moment, c'est bras. C'est pas paille. Sauf qu'il y a sa catégorie que ça peut taper. Il y a sa catégorie que ça peut pas arriver là-bas. C'est tout. Sinon, c'est bras. C'est pas paille. C'est pas paille pour boire. Jules, c'est des bras que j'ai. Toi, je te peux. Toi seulement, je te peux. Donc, je rentre à Darty. J'achète ce casque-là, enfin mon nouveau casque. Donc, quand je rentre à Darty, là, je suis en train de regarder les casques. En même temps, je suis un peu traumatisé, un peu. Hein. Parce que Bonnet m'a donné une folie, m'a pris. Hein. Donc, je rentre à Darty. J'étais en train de rayer le casque. Il y a un du blanc qui vient là. Un client, il est venu aussi. Que mec. Franchement, j'ai vu ce qui s'est passé dehors. J'ai pas trop compris. C'était qui? Il dit c'était un inconnu. Il est dérangé dans sa tête. Non, je le connais pas. Ah ouais? Moi, j'aurais dit que c'était, je sais pas moi. Je dis monsieur. C'était un inconnu. Mmh. Ah ouais, en plus, j'ai vu lui là. C'est qui? Ah, pardon. Je filme. Je savais pas. On dit quoi? Je ne filme pas, je travaille. C'est moi qui ai provoqué là. Mmh. Bonsoir, bienvenue. Tu as mis quoi? Perru. Mais pourquoi tu as mis foulard dessus? Non, je sais que tu as l'église. Lily, tu vas à l'église maintenant? Ah, l'éternel doit agir. L'éternel jamais doit agir dans ta vie. Hé, hey, ma soeur, tu cherches ta vie. Tu m'envoies ici. Tu cherches ta vie. Kevin, on va voir. Il est bien, il est déjà fini même. Mais en fait, il m'a même laissé un peu. Il est chaud. Hé, hey, il n'y a pas de douche ici. Chaboula, il y a pas ma serviette là-bas, il n'y a pas serviette ici. Mmh, okay. Mais tu as mis ta serviette. Non, il y a bien, tu as mis tes mots, tes labos. On va voir. Chien, il n'aime pas mes lavis. Bref. Donc je lui dis monsieur c'est un inconnu. Il dit en tout cas j'ai vu qu'il a niqué ton casque. Et du coup moi je te conseille celui-là. Hein. Celui-là il est cher mais franchement mec si moi j'avais les moyens c'est celui-là que j'allais acheter. Franchement t'entends rien. Il parle du casque Bose que j'ai acheté là. T'entends rien, moi c'est parce que j'ai pas les moyens. Hein. Donc moi je vais me prendre le casque à 60 euros. Mais sinon, si je pouvais me le permettre, je me le serais permis. Hein. Je te le dis. Juste là, je parle pas. Hein. Donc du coup, tu vas le prendre ou pas? Au pire, tu l'achètes pour moi. Hein. Je lui ai dit, excuse-moi, je suis pas d'humeur. Ce que tu es en train de faire là. Causerie, tu es en train de faire comme si toi et moi, on est dans Fort Boyard. Je sais pas si tu penses que tu es le père Foura de Fort Boyard. Je sais pas si tu penses que tu es le père Foura de Fort Boyard et que je dois trouver une énigme. On n'est pas dans Fort Boyard. Je veux pas gagner clé dans Fort Boyard. J'ai déjà perdu un casque. Faut pas me fatiguer. Merci pour tes conseils. Tu n'as pas les moyens, j'ai compris. Je suis pas la sécu. Je suis pas la sécurité sociale. On vient
de m'agresser. Tu n'as pas pu venir m'aider. C'est quoi, Kozeri? Dans Dati, là. C'est quoi? Faut payer ton casque, tu vas partir. Que non, mais en fait, je suis contre la violence. Moi, j'ai pas dit ça pour... c'est juste que j'ai pas trouvé correct ce qu'il a fait. Mais bon, j'ai dit, mon frère. Hasta la vista. Hasta la vista, mon ami d'infortune. Hasta la vista. C'est quoi? Oh, j'ai pris mon casque. Je suis allé payer. Donc, quand je remonte, le vigile de Darty me dit... Excusez-moi, monsieur, je pense que nos caméras ont filmé. Est-ce que vous voulez les rushs au cas où vous avez envie de porter plainte et tout? J'ai dit oui, je veux porter plainte. Je vais aller au commissariat porter plainte. Parce que ça, c'est atteinte à mon intégrité physique. Je vais aller porter plainte. J'ai fait du droit. Il dit ok, en tout cas, on va regarder dans les rushs et sélectionner la partie... que vous voulez. Donc je dis ok, moi je m'en vais à la salle de sport. Quand je reviens, je vais prendre les vidéos où on le voit en train de sauter sur moi là. Où il saute sur moi comme s'il était ma supilami là. Comme s'il était ma supilami. Ouba ouba ma supilami. Ouba ouba ouba. Je vais prendre les vidéos là pour les porter plainte. Donc je finis la salle et puis tiens, je me dis bon, on a été amis. Je vais aller dire au commissariat là-bas même que mon ancien ami, j'ai fait vidéo sur lui parce que légalement, ma vidéo est légale. Dans ma vidéo, je n'ai pas dit son nom. Je n'ai pas donné sa date de naissance. Je n'ai pas donné son adresse. La vidéo est anonymisée. Je l'ai anonymisée. Donc si on va au tribunal, je remporte le procès. Je remporte. On est mis. Mais je me suis dit que, ah, tu vas lancer une procédure judiciaire avec quelqu'un avec qui tu étais ami. Vraiment, ma conscience ne sera pas... Et puis bon, c'est casque, c'est un casque, c'est pas... C'est du matériel, tu vois. C'est lui, j'ai perdu sa chaîne. Il a piqué crise. Comme s'il est épileptique. Mais moi, ça va, c'est un casque... Non, j'ai laissé tomber. Donc, le monsieur me dit, vous êtes sûr? Parce que là, c'est pas normal. Il vous a totalement agressé. Même si vous avez été amis, vous aurez pu régler ça autrement. C'est pas normal et tout. J'ai dit, non, monsieur, laissez. Laissez, je laisse pour moi à Dieu. C'est pas grave. C'est pas lui-même, c'est moi. Si depuis j'avais 15 ans, je partais à la salle de sport, que j'étais devenu zibobolo. Zigbona, Zibobono, Zibobono était Zahin, son Zahin était Diba. Si j'étais Zibobono, était Zahin, son Zahin était Diba. Est-ce qu'il pouvait s'arrêter devant mon palais? Non! C'est pas si c'est que je suis fleke. C'est pas lui en vérité, c'est moi. C'est moi! Non, je dis pour monsieur, monsieur, laissez, je laisse pour moi. Je laisse pour moi! Donc, je retourne à la salle de sport. Parce que j'avais oublié la clé de ma maison là-bas. Ce jour-là, j'ai tout vécu. Hein. Je retourne à la salle de sport. Je vois un vigile, enfin un monsieur de la sécurité. Il était au téléphone. Il parlait à Thier, un Ivoirien. Et il dit, en tout cas, j'entends mon nom. Kevin Aubin, oh. Kevin Aubin, oh. Déjà, il dit en Haïti à la personne que c'est Kevin Aubin qui est devant moi. Live TV, oh. Kevin Aubin, oh. Donc, je lui dis, ah, monsieur, j'ai laissé ma clé dans les vestiaires. Est-ce que vous n'avez pas vu une clé? Donc, il me dit que, aïe, faut descendre dans les vestiaires. Donc, je descends, je vois la clé, je remonte. Quand je remonte, il me parle en Haïti. Je dis qu'il a un problème là. Il me parle en Haïti en mode pouvoir et puis il me dit aïe, toi tu comprends pas Haïti. J'ai fait lui dire que parce que ici là, on est venu faire nouvelle du pays quoi. Nouvelle du pays là, c'est sur un pays. On est à Paris République.
Ils restaient un peu. Ils allaient prendre mon visage pour faire tambour. Ils allaient prendre mon visage pour faire piano. Bonheur allait jouer Mozart sur mon visage. Toi, tu viens me parler à toi. Aïe. C'est quoi? Nouvelle du pays, c'est sur RTI. Mais je ne lui ai pas dit ça parce que c'est un monsieur âgé. J'ai regardé ses rides. J'ai dit, je te laisse. Mais demain, c'est bien ici. Là. Parle encore en entier pour me donner. Parle encore en entier pour me donner. Ah, lui, là. Il n'est pas compris à Thier, à Abidjan. C'est à Paris, République, je vais comprendre à Thier. À Thier, il n'est pas compris à Abidjan, le Pougon. C'est à la République, il ne faut pas pouvoir m'aider. Monsieur, si tu me regardes, il faut arrêter. Faut plus faire ça. Faut plus faire ça du tout. C'est quoi même? Moi, je vote quoi? Vous me prenez, vous me faites comme Monopoly. Vous me... Non! C'est quoi ça? Bref. Voilà les choirs, oh. C'est ce que j'ai vécu, oh. Voilà les choirs, oh. C'est ce que j'ai vécu, oh. Je me suis fait agresser. À cause des vidéos YouTube. Mais la chaîne YouTube va continuer. Je vais continuer à parler des gens. C'est les risques du métier. Vous savez, il y a des gens qui sont reporters de guerre. Les journalistes les vont. Ils vont sur le terrain. Pendant qu'on tire partout. Ils donnent les infos malgré ça. Moi aussi là. C'est mon reportage qui est mon YouTube. C'est quoi? C'est quoi? Bonheur, tu pensais que je n'allais pas expliquer? Là, je suis à Abidjan, je retourne à Paris. Normalement, en janvier. Tu vas me faire quoi encore que tu m'as pas quoi faire? Pardon, faut le laisser. Faut le laisser pour toi. Tchè. Non, tu vas me vendre. En janvier, tu vas me vendre encore, tu vas vouloir me frapper. Pourquoi? Faut aller faire faire les gens qui ont ta forme. Quand tu es musclé comme ça, moi, pourquoi? C'est pas juste. C'est pas équitable. Faut aller faire faire les gens de comment tu es là. Faut aller faire faire eux ton gabarit. Hey, c'est pas bien. C'est comme si tu dis John Cena n'a qu'à faire palabre avec Christophe Willem. Est-ce que ça c'est bon? C'est pas bon. Ils vont faire ça comment? C'est pas bien. Faut me laisser. Laisse-moi. Ah. Voilà, je crois que c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est ce que j'ai vécu. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous fais plein de bisous. Bon, les semaines sont passées, donc maintenant je le prends à la coude. Voilà, ça me fait maintenant plus rire qu'autre chose. Je vous avoue que le jour J, ça m'a pas fait rire du tout. Enfin, en même temps, ça m'a pas plus que ça atteint. Mais voilà quoi, j'étais pas... Voilà. Mais en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous. Et puis, normalement, à demain pour une nouvelle vidéo. Mouah!